Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Alors comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais une nouvelle fois vous parler de NAS Asus Store puisque je vais vous montrer comment installer la solution domotique JDOM sur votre NAS. En effet, vous vous êtes peut-être déjà posé la question de l'installation de la solution JDOM sur un NAS Asus Store et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes rendu dans App Central et là, pas de package JDOM et donc, on se retrouve un petit peu coincé. Alors il y a quelques sujets sur le net qui en parlent à base de VirtualBox ou des choses comme ça. Et bien aujourd'hui, moi je vais vous proposer d'installer JDOM en utilisant un conteneur Linux Center que je vous ai présenté récemment sur le site. Allez, générique et on attaque. Alors, comme je vous expliquais en introduction, pour déployer notre solution JDOM sur notre NAS Asus Store, on va faire appel à Linux Center, qui est une application qui permet de créer des conteneurs Linux sur le NAS. Alors, je ne vais pas ici reprendre toute cette partie de création de conteneurs, d'utilisation de Linux Center, etc. Puisqu'il n'y a pas longtemps, je vous ai proposé un tutoriel sur cette fonctionnalité. Donc, je vais tout simplement vous dire d'aller voir dans la description de la vidéo. Vous aurez un lien avec le tutoriel sur Linux Center, comme ça, ça vous permettra de le mettre en place si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, on peut passer directement à la suite, c'est-à-dire l'utilisation de Linux Center pour installer notre solution JDOM. On y va, c'est parti. Donc, on va se connecter sur notre NAS. Alors, pour ma part, j'utilisais le compte admin, mais vous pouvez utiliser un autre compte à partir du moment où il a accès à Linux Center pour pouvoir aller chercher les informations, puisque là, on va aller récupérer du coup sur notre machine son adresse IP pour pouvoir tout simplement se connecter en SSH. Ouais, alors là, je sais, du coup, la vidéo à partir de là elle va être un petit peu moins sexy pendant un moment, puisqu'il va y avoir un terminal, voilà, du noir et du blanc, pas grand chose, mais bon, on va quand même se le faire, hein, c'est le but du tutoriel, donc on y va. Moi, je vais lancer un petit terminal, je vais prendre PuTTY, voilà, et je vais me connecter à mon conteneur Linux. Alors, évidemment, on accepte la clé RSA, voilà, et on va se connecter sur le NAS. Hop, alors, je vais vous agrandir un petit peu tout ça, comme ça vous aurez plus de place, voilà. Et donc, on va se connecter. Alors, les credentials, par défaut, c'est admin-admin, hein, voilà, pour faire simple. Voilà, je suis connecté en SSH, première étape de fait. Ensuite, on va tout de suite passer en route pour pas avoir de problème de droit, puisqu'on va installer des choses et on va se faire vite virer si jamais on n'a pas les droits. Donc voilà, un petit su espace tiret, et là, on tape le mot de passe qui est admin. Alors une fois qu'on est en route, on va rafraîchir vite fait les sources de mise à jour avec un petit apt get update et on va enchaîner avec un apt get upgrade, comme ça tout sera à jour. Alors pour les commandes, vous inquiétez pas, moi je les tape ici, mais elles sont toutes disponibles sur le tuto écrit que j'ai publié sur justegeek.fr. Comme ça, vous pouvez directement reprendre les lignes de code, faire copier-coller et à partir de là, vous vous embêtez plus, c'est très simple. Et vous aurez forcément la bonne syntaxe, il n'y aura pas de souci, et ce sera facile. Alors là, il se met à jour, donc on attend. Voilà, on va valider les paquets à mettre à jour, et puis on attend qu'il bosse, et après, on pourra attaquer vraiment et rentrer dans le vif du sujet. Voilà, le terminal vient de me rendre la main, donc les mises à jour sont terminées. Maintenant, on va pouvoir passer à l'installation vraiment de JDOM. Alors, ça se passe comment? On va tout simplement télécharger un script d'installation, un .sh, on va le rendre exécutable et on va l'exécuter. Donc là, moi, je ne vais pas tout me retaper à la main. Le script, on le récupère sur GitHub. Donc moi, j'ai mon lien ici. Je vais directement faire un petit copier-coller. Et on va récupérer le lien avec un wget. Eh ben non, puisque de base, notre NAS ne connaît pas wget. Donc il va falloir qu'on l'installe. Donc c'est parti, on va faire un apt-get install wget. Et voilà. Bon, voilà. Maintenant, donc, wget est installé. Donc, je vais pouvoir récupérer mon script d'install avec un petit wget. Voilà. Donc, c'est rapide. Le script est récupéré. Il pèse que quelques kilos. Donc, forcément, c'est plutôt rapide à faire. Maintenant, on va le rendre exécutable avec un chmod plus x. Et ensuite, on va tout simplement lancer l'installation avec un .slash install.sh. Et là, donc ça va mettre un certain temps là, puisqu'il y a de nombreuses dépendances à
télécharger et à installer, enfin de nombreux, pas des dépendances mais des prérequis, il va falloir un serveur web, il va falloir qu'on ait un moteur PHP, un serveur de base de données, etc. Donc ça va prendre un certain temps, le temps de tout faire. La première fois que je l'ai fait, je crois que j'ai mis facilement plus de 10 minutes, hein, le temps que tout s'installe. Et j'ai réalisé ça sur un AS6204T qui a quand même une bonne config. Hein. Donc voilà, là je pense que vous pouvez aller boire un petit café, faire une petite promenade, aller manger, faire une petite partie de jeu éventuellement. Hein. Mais voilà, vous pouvez le laisser faire son travail, il y en a pour un moment. Quand il aura fini, il nous rendra la main et on pourra passer à la suite. Voilà, c'est terminé, la console vient de me rendre la main, donc c'est installé. On a un petit message qui nous dit qu'il faut rebooter. Donc tout simplement, on va redémarrer. Je vais taper tout simplement reboot dans la console. Ça va redémarrer mon conteneur. Et ensuite, on va pouvoir se connecter avec un navigateur internet sur notre interface JDOM. Voilà, notre conteneur a redémarré. On va ouvrir un nouvel onglet, tout simplement. On va mettre l'adresse IP de notre conteneur Linux. Et là, paf, on arrive sur la page d'admin de JDOM. Donc on va pouvoir se connecter, l'identifiant c'est admin par défaut et le mot de passe c'est admin. Et là, bam, c'est un petit peu long et on se fait jeter. Bon, alors le problème en fait m'est déjà arrivé, j'ai mis pas mal de temps pour trouver la solution. Contrairement à ce que JDOM nous donne dans sa documentation, il faut mettre un A majuscule à l'utilisateur admin et à partir de là, quand on se connecte, eh bien ça fonctionne. Donc me voilà donc sur l'interface JDOM avec la petite fenêtre de bienvenue qui va me proposer la documentation, le guide de démarrage, etc. Et puis là du coup on va avoir un JDOM 100% opérationnel, on va pouvoir aller gérer nos plugins. Hop, si on veut tout simplement, on peut aller se rendre dans le market et installer tous les plugins qui existent sur JDOM. Donc là voilà, on a une solution qui est opérationnelle. Après, si on veut par exemple utiliser un RFXCom, faudra forcément le relier sur le NAS. Si on veut, on pourra aussi mettre une clé Z-Wave, etc. en USB sur le NAS. Et puis on ira chercher les plugins qui vont bien sur le market. Donc soit les plugins gratuits ou les plugins payants, selon ce que vous voulez faire. Bon, pour ma part, je ne vais pas installer de plugin parce que j'ai rien qui est raccordé au NAS. J'aurais bien éventuellement raccordé mon Mi Home. Le problème, c'est que Mi Home, le plugin est payant. Ça, c'est un petit peu le problème avec JDOM. Mais je pense que si vous êtes sur ce tuto, vous savez déjà ce sur quoi vous embarquez, c'est qu'il y a beaucoup de plugins qui sont payants. Donc voilà, il n'y a rien que je vais pouvoir installer pour vous faire une démo vraiment probante. Mais si vous installez n'importe quel plugin, hein, ça marche. Là, si je vais par exemple sur le plugin météo, je fais installer stable, hop. Et puis tout simplement, ça va m'installer le plugin. Et là, je suis sur l'interface de configuration du plugin. Donc là, je suis sur le plugin météo. Si je veux l'activer, je l'active et puis voilà. Bon, après je vais pas vous rentrer dans le détail de l'utilisation de JDOM, déjà parce que j'utilise pas la solution, moi je suis sur Domotix, donc JDOM je le maîtrise pas, et puis ça n'aurait aucun intérêt. On voit bien là que le JDOM tourne, il est fonctionnel, et donc il est bien installé sur notre NAS Azure Store, mission accomplie. Et bien voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que vous l'aurez apprécié, si c'est le cas, je compte sur vous, comme d'hab, pour m'encourager avec un petit pouce en l'air. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, pas des questions vraiment sur le fonctionnement de JDOM, parce que comme je viens de le dire, j'utilise pas la solution, donc je pourrais pas forcément vous aider. Mais sur son implémentation dans Linux Center, par exemple, qui est beaucoup plus simple que d'aller faire une machine VirtualBox, etc. Et bien, vous pouvez me les poser et j'essaierai d'y répondre, bien évidemment, si j'ai la réponse ou si je peux vous aider. Moi, je réponds dès que je peux aux commentaires, dès que j'en ai l'occasion. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !